it bother you that the media and the press is so incredibly interested? AJ, you're pondering something? I'm just thinking about something in my back of my mind. It doesn't bother us. I mean, we got asked some really interesting questions yesterday in this press conference. I mean, really. What was the most interesting question that you think was asked in the press conference? I have to say, there was a question from a young lady that was right in the front, geared towards about our spiritual feelings and like, just a question that, you know, normally they're always asking about, you know, the tour and about the album and about this and that, but it was a question that was asked really towards us and personal, you know, how we've changed spiritually and, you know, where we feel that we're going spiritually and just how things are. I never used to pray that much when I was younger. Now I pray almost every day, and I thank God for what I've been blessed with and thank God for the talent that I have. And I think just being in this business, you learn so much about yourself, let alone about the people around you. And I just want to take the time now to just really spend a lot of time with my family because I'm so far away from them so much and just make sure that I don't miss out on life and stay true to myself, stay totally physically and emotionally cleansed and just live life to the fullest and live peacefully. You know, a couple questions that bothered me. All right. Yeah, like asking us about money and stuff like that. Yeah. And like, they asked us like, so is your family asked you for money yet? Oh. Come on, people. I mean, we are human beings, you know, and it's not like we're perfect, you know, and we're not perfect, but it gets to a point, I guess, you know, we were stuck in the elevator with a lady and a man, Nick and I, on the way up here, and they were talking about, oh, you guys are the band that's here? Oh, we just heard you on the radio, and they were ecstatic about the show last night, and so it's crazy. We all know it's crazy, and it gets to the point where, you know, if I was outside of all this, you know, would I be sick of the Backstreet Boys by now, or would I be, you know, or would I like what they're doing, you know? So it's like, they have to get that personal to really get something new, and, and you know, I really find it pointless just because we're human beings, we're normal, you know? I mean, we are in the spotlight a little bit, but I always want to be, I don't want to lose my life, you know? Vous autres, vous les aimez tellement les Backstreet Boys que vous avez décidé de louer des chambres ici dans l'hôtel, c'est ça? Ouais, ouais. Qui a eu cette idée? Est-ce que vous vous connaissez à Non, on s'est rencontrés à l'hôtel. Okay. Moi, j'ai loué une chambre avec ma mère. Okay. Puis j'étais arrivée à l'hôtel, puis les autres étaient là, puis elle parlait devant les enfants. C'est pas donné non plus à manger une chambre dans l'hôtel. Alors, comment avez-vous été faite pour les finances? Comment vous êtes organisée? On s'est pognés avec papa et maman. Oui. Ben, on a ramassé ce qu'on pouvait, on s'est mis ensemble, puis on a emmené nos parents pour qu'ils en fournissent une petite partie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Une belle joie, une très belle joie. C'est la première chose qui vous attire à l'heure de Backstreet Boys? Oui. Ensuite, c'était leur gentillesse. C'est comme ils nous parlent, puis on voit qu'ils sont pas, ils se prennent pas pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment des gosses simples, puis gentils, puis ils ont une belle voix, puis ils sont beaux. À l'hôtel Westin, qui se passe à l'extérieur de l'hôtel pendant qu'ils attendent les Backstreet Boys. C'est extraordinaire de voir ça. Bonjour tout le monde! Hi! Allô! Comment tu t'appelles? Mélissa, pourquoi tu pleures? Parce que je veux les voir, puis je peux même pas les voir. Et c'est qui ton préféré dans le groupe? Nick! Qu'est-ce que tu voudrais dire à Nick? Dis-lui à Nick, à la caméra. Dis-le à la caméra. Girl, it's time to let go. Mais tu sais depuis quelle heure? Moi j'ai une chambre d'hôtel, mais je peux pas entrer malheureusement. Une chambre d'hôtel? Pourquoi tu peux pas? Ils veulent pas. C'est pour le problème qui cause en dedans, je sais pas. Donc, je suis plus depuis hier matin. J'attends.
vois ma fille aujourd'hui qui s'épanouit, elle est folle comme un balai, elle ne réalisait pas aller jusqu'à ce qu'on trouve l'hôtel. Elle est super énervée, elle ne tient pas en place. Je pense que vous l'encouragez là-dessus. Je l'encourage terriblement, puis je ne regrette pas ça parce que c'est un fait vécu que je réalise, c'est mon enfant qui en profite. On a une vie à vivre, on l'a vu pleinement.